Salut YouTube. Alors aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu sur la miniature, comme d'hab, est-ce que j'en dis trop sur la miniature? Faudrait que je sois un petit peu plus énigmatique pour donner envie aux curieux de cliquer. Après, ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent. Hein, voilà. Ceux qui sont pas curieux, ils vont voir autre chose. Hein. C'est pas grave. Donc, une paire de Travis. Voilà. Mais une paire de Travis qui a pas marché. Voilà. Une paire de Travis qui a bidé. Alors comme pour moi c'est prévu que je m'en serve, voilà, pas que j'aille faire du basket, hein, parce que j'ai pas le gabarit, j'ai plus l'âge pour jouer au basket. Ouais, on va dire. Pour le fun oui, mais pour la compète, non, on est très très loin du compte. Paire donc que j'ai acheté VNDS, elle est propre, vous verrez par vous-même hein, quand je vous ferai les vues, vous verrez qu'elle est clean. Voilà. Elle est pas neuve, mais elle est clean. Et les paires que j'ai achetées sans boîte parce que je voyais pas l'intérêt de garder la boîte, puisque je vais la porter. Par contre, chose étonnante, étant donné que donc je l'ai prise hors boîte, elle est passée par le système de vérification eBay, comme certaines paires, pas toutes, mais certaines. Et je l'ai reçue là-dedans. Certains appellent ça une poche. Moi, j'appelle ça une housse. Mais une housse. Avec les aux couleurs du truc de certification eBay. Et d'ailleurs, on a la petite étiquette eBay qui est juste ici. Ou un pochon aussi. Ah oui, il y a pochon aussi, ce qui est assez à la mode. Voilà, c'est pas un tote bag, hein, mais voilà, j'ai reçu donc la paire là-dedans. C'est cool, donc ça pourra servir pour autre chose éventuellement. Mais je savais pas qu'eBay fournissait des housses de sac. Enfin, des housses de chaussures, pardon. Voilà. Donc c'est très con, mais pratique. Parenthèse du sac terminée. Voici la pompe. Air Jordan 33, Travis Scott. Alors, à l'époque, j'avais un peu tourné sur Facebook et trucs, et forums, savoir si ça valait le coup d'investir là-dedans. Tout le monde m'avait dit non, c'est de la merde. Bon, ok, c'est de la merde. Maintenant, je regarde quand une paire neuve, ça tourne autour de 5 et 700 euros quand même. Voilà. Paire neuve, hein. Donc, resell, machin, type StockX ou Goat ou autre connerie du genre. Donc, peut-être qu'à l'époque, ça aurait peut-être valu le coup quand même d'investir. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, moi, c'est pour la roquer, donc on s'en fout qu'elle vaille 5 ou 700 balles. Parce que de toute façon, moi, elle vaudra plus rien. La 33, j'ai déjà une paire de 33. Je vous la mets là, au cas où. Donc c'est le coloris OG, c'est le coloris de lancement. Et là-dessus, celle-ci, donc forcément, est censée reprendre des éléments de design de la Jordan 3. Ah oui, il y a quelques trucs. Voilà, il y a quelques empiècements, on devine. Voilà, en forçant un peu, on se dit, ah oui, peut-être. Ouais. Le tire-botte là-bas derrière, voilà, enfin, deux trois bricoles, mais pas non plus, voilà, faut pas rêver quoi, c'est pas vrai. On est loin de ce qu'on avait eu sur la 31 par exemple, ou même la 35 qui ressemblait beaucoup à la Jordan 5, la 34, enfin voilà, il y a des modèles qui quand même avaient beaucoup plus d'inspiration que celle-ci. Mais donc la 33 déjà je l'aimais bien puisque j'avais chopé donc le modèle de lancement. Et ce coloris-là me faisait de l'effet. Voilà. Pourquoi? Je peux pas expliquer. Hein. C'est pas du tout la hype Travis hein, qui me faisait kiffer. C'est juste que voilà, ce vert, ce marron, ce noir, plus le modèle, je trouvais que ça allait franchement bien et que c'était plutôt sympa. Voilà. Et donc j'ai fini par trouver ça à deux chiffres, hein, puisque VNDS. Je vais vous montrer l'état. Hop. De l'autre sole avant de faire le tour de la paire. Donc état correct, voilà. Elle n'est pas bouffée, elle n'est pas limée, comme on peut voir sur certaines. Elle n'est pas cassée non plus là, parce que ça c'est de la maladie. On avait vu aussi sur le Westbrook qui avait le même système. Le zoom pod hein, qui est à l'avant, il est trop justement, il est trop protubérant? Non, protubérant? Non. Proéminent. Là, il y a un truc avec. En gros, il dépasse trop. On le voit ici.
Voilà, il dépasse. Et donc ça a tendance, quand ça s'use un peu trop, à casser la paire ici. Voilà, bon. On verra bien hein, si j'y passe à travers ou pas. De toute façon, pour moins de 100 $, on va dire que je passe risque pas grand-chose. Techniquement, alors on a exactement la même chose que sur la 33. Donc, on a le système de lassage automatique, avec la tirette ici pour lasser et ici pour relâcher. Avec forcément, hop, dessous, le petit remontoir. C'est lui en fait qui permet de lasser la chaussure. Les fameux câbles qu'on a ici, inspirés du système Boa. Alors le Boa, ça a l'air d'être un système sous licence, parce que le Boa, tout le monde en met, mais ça appartient pas à la marque qui l'utilise. Il y en a eu sur Adidas, il y en a eu chez Nike, je crois qu'il y en a même eu chez Reebok. Je regarderai éventuellement si je trouve quelque chose, je vous le foutrai là. Mais voilà, le système Boa à cran là, un peu comme les Puma Disc, pour les plus vieux d'entre nous. C'est même un peu le même système. Hein. Voilà, où on va tourner un truc qui va. Voilà, qui va serrer la paire. Donc, ma foi. Et pourquoi elle a bidé alors cette paire, pendant que je vous fais faire le tour de la chaussure, pourquoi elle a bidé? Bah parce que déjà c'est une paire perf, à mon avis. Et ça, tout le monde s'en fout. Surtout chez Travis Scott. Pourtant, hein. Et aussi parce que bah, elle n'a pas de poche secrète, cette paire-là. Bizarrement. C'est une Travis, mais il n'y a pas de poche, il n'y a pas de poche cachée. Nulle part. On peut chercher, hein, que ce soit sur un pied ou sur l'autre. Oui, parce que bien sûr, l'autre pied là. Je vais vous faire le tour du pied gauche aussi, parce qu'il y a deux petites nuances. On n'a pas de secret pocket. Donc c'est couillon, parce que c'est la seule paire Travis, à ma connaissance, hein, puisque je ne suis pas trop les releases Travis Scott. Voire pas du tout. C'est la seule qui n'a pas de poche cachée. C'est couillon, mais c'est comme ça. Alors tout de suite, ce qu'on va voir au niveau différence, parce qu'il y en a deux, trois, c'est que bien sûr, sur la languette, on a le Jordan et Cactus Jack sur l'autre. Au talon, par contre, non, on a le Nike Air. Des deux côtés, on a le même remontoir dessous. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Oui, et là, par contre, ça va être chaud. J'espère qu'on va le voir. Au pire, je bougerai la colorimétrie de l'image. Au niveau de l'insole, on a justement d'un côté Jordan et de l'autre côté Cactus Jack. Voilà. Sinon, je regarde, on a exactement la même mention. D'un côté comme de l'autre. Le pull ici. Là-dedans, il n'y a rien. Là, on a Edgy 38. Comme l'autre. Ouais, même chose. Si vous vous demandiez ce qui est marqué sur les tire-bottes, ben, c'est marqué 33. Voilà. Et puis ma foi, c'est tout, hein. Ouais, alors les tirettes sont pas les mêmes. Là, on a pull to eject. Et sur celle-ci, on a pull to lockdown. Je vous mets dans le bon sens. Voilà, pull to lockdown. Voilà. Mais sinon, on a la même chose. Le tout petit détail, mais justement qui est le même sur les deux pieds, c'est le petit bouton de Jordan. Je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Oui, en plus, de toute façon, il regarde des bons côtés. J'espère qu'on le verra. Voilà. Et puis, ma foi, c'est tout. Il n'y a rien à l'intérieur du strap. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur de la languette. Non plus ici, ben voilà, hein, ma foi. Donc peut-être aussi peut-être parce qu'elle était trop simple, mais quand on voit les autres releases, on se dit il n'y a pas de quoi non plus, fouetter un chat. Donc je ne sais pas. Mais celle-ci n'a pas marché. Voilà. Ou a pas trouvé sa place en fait dans la ligne, machin. Peut-être parce que c'est une des seules, ou la seule. Vous me direz éventuellement dans les commentaires.
Si c'est la seule paire performance. Je parle pas des rétro de Jordan. Hein. On oublie les Jordan 1, 6, machin, autre truc. Hein. Mais je pense que c'est la seule paire, voilà, on va dire contemporaine, qui n'ait pas marché. Voilà, voilou. Donc c'était mon tour complet de la Air Jordan 33 Travis Scott. À plus. Ciao, ciao.